monde et bienvenue pour la suite. La suite, regardez. Oh, des petits squelettes. Tiens, je vais me mettre en plein milieu. Boum. Voilà, l'armure est toujours pas pitée et je suis toujours aussi tranquille en fait. Alors pourquoi ça me fait ça? Bah j'ai remarqué en fait que j'ai mes petits cœurs là en bas qui sont en mode surbrillance. Et pourquoi ils sont en mode surbrillance? Parce que c'est un truc tellement pété en fait. Qui est le Ring of Protection. Runic Shield de Tomcraft, en fait, ça me bloque les cœurs et ça empêche l'armure se détruire. Alors c'est complètement pété parce que j'ai essayé en hard, en peaceful, en ce que vous voulez. Et du coup, bah c'est complètement pété. Je peux me mettre dans la horde de creepers pété dans tous les sens, YOLO, si c'est RT, la famille. Je ne prendrai aucun damage. Alors par contre, toi tu vas commencer à me faire chier. Voilà, je ressors. Nah. Tu m'auras pas. M'en fous, je t'ai eu. Oh putain, il m'a donné une tête. Alors, ça fait un petit moment que je suis en train de tourner en rond. Parce que, justement, j'étais en train de recharger ma baguette. Ma fameuse baguette de Tomcraft. Cependant, c'est ça le problème. Il m'a toujours pas capté. Il m'a toujours pas capté, même en faisant manuel détecte, il s'en bat royalement les steaks. Donc du coup je suis tranquille. Et puis en même temps, du coup il va falloir que j'aille me refaire une petite du coup. Oh, il y a un man. Ah non, j'aime dire c'est un manchaft, mais non, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, boulet. Hop. Donc du coup je vais aller me recrafter une baguette, voir s'il me la détecte. Ça serait cool qu'il me la détecte, ce qui m'étonnerait fortement d'ailleurs. Alors il y a que petit freeze par ici, mais en même temps vu les montagnes qu'il y a éventuellement sur les côtés, ce qui est tout à fait normal. Va te coucher toi. Donc bon. Mais en tout cas c'est plutôt sympa, c'est très sympa comme pack. Vous êtes toujours aussi nombreux à discuter avec nous dans les coms, donc ça c'est super intéressant pour moi. Ça se voit que vous aimez bien ce pack. Ah bah merci. Et puis en même temps je vais récupérer justement ces essences parce que j'en ai besoin. Pour continuer notre petite quête. Tranquillou. Je voulais réajouter un petit mode complètement banal. Mais en fait quand j'ai remarqué qu'il fallait IC2 derrière, je dis non, je vais pas trop toucher. Ça peut merder avec les quêtes. Donc du coup je le ferai pas. Il y a une... comment ? Ah, va te coucher toi. Il y a aussi un autre mode que je voudrais rajouter, qui est Torcherino. Alors pourquoi rajouter Torcherino? Parce que bah c'est pour tout simplement accélérer des fois les plantations de Magical Crops qui sont légèrement un peu longues par moment. Et du coup je voudrais un petit peu les accélérer. Alors, le craft de base, il est assez cheaté parce qu'il faut 4 locks, donc du gold et de la redstone. Mais moi, je vais le modifier pour que ça soit en sorte que dessus, il y ait des compressed cookies. D'ailleurs, en parlant de compressed, il y a ce qu'il faut. Oui, il y a compressed. Donc, du coup, je peux faire tout ce qu'il faut. Je vais voir si les compressed cookies marchent ici. Non, il marche pas les compressés de cookies. Donc c'est un petit peu dommage. Un tout petit peu dommage, mais bon, ça c'est pas trop un problème au pire. J'ai les cœurs, j'ai les arcs, c'est complètement pété. Ça. Ceci. J'ai du copper, j'ai du fer, j'ai de l'underpearl. D'ailleurs les strings ça va là. Hop, et du coup je peux me refaire ma... mon autre petite seed. Au niveau du micro, je ne peux pas l'améliorer, hein, comme je l'ai marqué dans les commentaires, je ne peux absolument pas l'améliorer, l'augmenter en tout cas. Donc bah augmenter de votre côté le son. Pourtant moi quand je me regarde sur un autre écran, pourtant j'ai le son qui est correct. Donc du coup je ne sais pas pourquoi ça merde à ce point, mais bon. Du
Du coup, alors, j'en étais où du coup? J'ai fait ma seed que je vais aller planter juste après. J'ai le copper à faire fondre, j'ai le fer également. Comme ça, je vais réparer un petit peu mes petites cocottes. Alors, la baguette, elle est complètement buggée. Parce que normalement, ça doit fonctionner à 100%. Du coup, bah, je vais m'en refaire une. Ah oui, il me faut du fer par contre. Donc, je vais aller faire ce qu'il faut. Gna gna gna. Est-ce que j'ai du fer là-dedans? Non, je n'ai pas du fer. Là-dedans, j'ai du fer. C'est magnifique. J'ai encore tout ça. Tac et tac. Voilà. En tout cas, je peux mettre beaucoup de choses parce que vous voyez, j'ai encore de la place jusqu'au fond. Alors, j'ai du steel, j'ai du tin, du gold et de l'iron. L'iron, je vais le refaire couler. Ça peut être intéressant par la suite. À noter également que... Alors j'espère que je peux le faire ça. Ah ouais, je peux le faire. Donc du coup je peux le faire aussi dans ma table. Oh c'est cool! Ah ça c'est cool. Ça je l'ai vu dans le com que je peux le faire et ça sert absolument à rien d'avoir une tool forge. Ok, donc bah en fait j'aurais pu faire ça dès le début, mais bon. C'est pas plus mal en même temps que j'ai ça. Dès le début. Donc vous voyez, mon armure est totalement full grâce à bah justement la petite bubble de Ring of Protection. Donc c'est assez pété. Il faut dire ce qui est parce que bah, c'est limite ne pas avoir de d'armure, ça fait le même effet. Donc du coup, bah elles sont à 100%. On les pète. Et on a une minocide essence. Donc on a 1% de chance d'obtenir forcément... Comment? Une graine suivante. Donc 1%, c'est rien quoi. D'ailleurs, vu qu'il y en a 8, et vu que j'ai encore des seeds ici, je vais mettre la bouffe là-haut. Ça c'est de la bouffe. Hop, il me faut une seed. J'ai bien envie de me rajouter aussi le mode inventory pour avoir une crafting sur moi. Ça pourrait être très sympa, surtout quand on part à l'exploration, j'ai besoin d'un coffre, ce genre de choses. Que je puisse avoir tout ce qu'il faut sous la main. Bon, bah voilà, ça va pousser tranquillement. Donc oui, Torcherino, du coup, je ferai un... je vais voir, je vais regarder au niveau d'un mod pour faire des compresses cookies. Ça pourrait être intéressant d'avoir un petit peu du haut level sur ce point. Du coup, bah, je vais me refaire du coup la baguette parce qu'elle est complètement buggée, ce qui est dommage d'ailleurs parce que ça aurait pu être cool. Donc du coup, bah, je vais me refaire ma baguette. Hein. C'est un peu dommage. Un PNJ, t'es d'accord avec moi? Oui. Ah voilà, d'accord, il fallait qu'elle soit vide complètement pour l'effectuer. Ok, donc ça c'est important, c'est sympatoche. Ça, je l'ai directement, donc je peux te l'aimer. Et ensuite, il me demande les gros crafts de Tomcraft. Donc ça, on y reviendra plus tard, un petit peu plus tard. L'avantage, c'est que j'ai une deuxième baguette du coup full. J'ai des knowledge que je peux avaler directement parce que ça me donne des aspects supplémentaires. Mais également, je vais pouvoir... On va peut-être commencer un petit peu Tomcraft, parce que Tomcraft, en même temps, il faut savoir un truc avec Tomcraft, c'est que quand vous débutez vraiment de base actuellement comme je suis, on peut effectuer des baguettes, ce genre de choses, plutôt sympa. Et pourquoi pas justement avoir des armures un peu plus stylées, du genre du Tomium, ce genre de choses. Mais ce que je veux principalement dire, si j'arrive à le retrouver, ce qui n'est pas forcément très... possible dans les médias. Elle est où cette putain d'armure? Oui, où es-tu? J'ai perdu le truc. Ah bah elle est bonne celle-là, tiens. Ah ouais, elle est bonne, tiens. Je l'ai pas. Alors là, c'est la version cheat, hein, naturellement. Donc ça, à éviter de prendre, sinon tu recommences tout ton jeu. Bah, tu supprimes le machin et tu recommences. Ah, ça me le donne pas. Fabrique.
Ah bah c'est ça le fabrique, mais on n'a pas débloqué la recherche, c'est pour avoir une armure. Un petit peu plus stylé que ça, et puis avoir une vision dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un petit peu Tomcraft là actuellement, afin de réunir un petit peu tout ça. Du coup, ce qu'il me faut, principalement, voilà, des streaming tools, des tables, et ça. Ah bah non, hey, je suis con, je peux pas faire Tomcraft les gens. Il me faut de l'obsidienne. Donc je peux pas. C'est pour couper de l'arbre en fait, les Greatwood, c'est de l'obsidienne pour les faire. Ce qui est complètement pété d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on obtient 24 essences sur les essences là. Donc du coup, bah je vais les compléter, je vais les mettre avec d'autres seeds. Ça va nous permettre tout simplement de revoir d'autres seeds par la suite. Alors, j'ai vu dans le commentaire aussi que le modpack est assez simple pour moi. Certes, il est assez simple, mais je prends du plaisir à faire cette série. Donc du coup, tant que je le fasse réellement avec vous, ça peut être sympa. Et quitte vraiment que je termine cette série en entier avec vous, raison de plus pour la finir. Donc, autant faire les choses correctement. Je vais aller faire fondre les petits cocos là. Je suis sûr qu'il faut que j'aille aussi à la chasse. Ah non. J'allais dire à la chasse du fioul, mais pas du tout. Alors, j'ai beaucoup de copper, j'ai du gold, l'iron. Ah, j'ai du bronze. Ah, l'âge du bronze. Je crois que le bronze, si je me rappelle bien, le bronze là, ça mining le tin. Ah bon? En fait, comme celle-là, quoi. Harvest. Mining level tin. Ok, le bronze ça peut faire du tin aussi. Ok, bon bah en fait ça serait trop rien. C'est toujours sympa à faire couler. Surtout du bronze, bah je peux en faire beaucoup, hein. Du bronze c'est du fer et du copper, je crois. Non, c'est du copper et du tin. C'est pour ça qu'il y en avait avant, il n'y en a plus ici. Ouais, forcément il va manquer de lave. M'en doutais un petit peu. Bon bah, tant pis. Je vais les faire tout ce qu'il faut. Oh tiens, une autre petite cible, tiens. Merci. Je crois que c'est un zombie qui l'a lâché, ça par contre. C'est peut-être pas plus mal. Donc, ce que je vais faire, je vais ellipser un petit coup, histoire que vous ayez pas non plus de trop de latence. Je vais aller dans le... Tiens, on va aller dans le donjon plutôt ensemble. Récupérer d'autres on va dire récupérer d'autres choses dedans, ça pourrait être sympa. Vous savez pas lâcher des émeraudes des fois. C'est moi il est complètement. Ah bah non, il est complètement buggé dans le truc, c'est vrai. On va aller faire ça, on va aller tranquillement au fond du tombeau pour être tranquille. Je vais récupérer des carottes parce que c'est une très bonne saturation comme je l'avais dit. Hop. Ça, c'est cool. Puis si t'en as pas assez, bah t'en as toujours à côté. Donc c'est important. Du coup, tu vois ici, t'as toujours rien à me proposer? Non. Forcément, c'est pas pour être se renouveler puisque ça se renouvelle jamais. Et du coup, on va aller justement dans le tombeau. Parce que forcément, bah j'ai une running protection. Donc du coup, bah je suis tranquille niveau mob. Donc je peux aller attaquer ce que je veux. Cependant, les witch, ça peut faire mal. Les araignées empoisonnées, ça peut faire mal également. Et on a une autre araignée quelque part. Ou pas. On n'a pas d'araignée en fait. Elle est complètement buggée au-dessus. Du coup, j'avais... Ok, merci. J'avais en fait... Voilà, c'est la descente là. Je l'avais un petit peu mis de côté. Alors, salut, ça va? Oh, une table d'enchant. Et les iron bars. Bon, les iron bars, forcément, on peut les péter. Allez, va te coucher. Hein? Coucou, c'est moi. Ah oui, vas-y, touche-moi. Hop, oh tiens le cinnabar. Ouais, redstone, forcément je vais pas le miner.
Ah bah tiens, je me disais bien qu'il y avait un problème ici. Alors, vu qu'il n'y a pas Enderio, on peut pas récupérer les spawners. Alors pourquoi je veux ça? C'est tout simplement pour m'indiquer qu'il y a une descente ici. C'est vraiment tout simplement. Ah tiens, on peut y aller partir de là-haut. Donc du coup, c'est important. Eh, ok. Ça, si je pourrais la faire fondre. Ça, on s'en fout un peu. Les boucs. On s'en tape un petit peu pour l'instant, en fait, de tout ça. Donc ça sert à absolument rien que j'y gagne. Alors toi, par contre, tu vois. Alors, ça se voit qu'ils ont une grosse protection, les petits, parce que sinon, je leur mettrais très cher. Mais là, ça n'a pas voulu. Ça se donne ça donne ça. Ouais, bah le reste, on s'en fout un peu. Continuons par là-bas. Ça va pop, forcément. Voilà. Voilà. Allez. 13 à 13. 11. Ouais. Oh, c'est du high level au niveau du combat. Hein. 7, 6. Oh, salut. Voilà. Merci. Alors, 6 à 3. 6 à 5. 6 à 3. 6 à 2. 3 à 2. Ouais! Fini. Hop. Tiens, je t'ai défoncé la face. Putain, par contre, ils savent tellement pas viser les mecs, c'est fou. Oui! Il y a tellement de flèches partout. Bon, sinon, une autre épée, tranquillou. Et toujours les mêmes choses, hein. Forcément, on va pas changer. Cependant, je suis pas sûr que je puisse faire fondre. Vu qu'elle doit être complètement incassable pour qu'elle fonctionne dans le four. Donc du coup, je vais faire une petite ellipse parce que ça va être un petit peu chiant. Une fois que je remonte là-haut, je vais pouvoir faire fondre un petit peu tout ça. Donc sur ce, à tout à l'heure. Ah. Tiens, petite info les gens, j'ai trouvé du coup la Mimo machin là, tu voyais la petite essence, bah on peut la trouver effectivement dans les mines, donc du coup, bah, j'en récupère tranquillement, hein, tranquillement, j'en récupère. Je suis toujours dans le deuxième sous-sol, tranquillement, je me balade, en fait ce qui est chiant c'est que justement avec l'anneau là, ça, en fait il n'y a pas trop de challenge, tu peux te mettre en plein milieu. Coucou toi qui saute comme un con. Donc du coup bah, je continue tranquillement et je vous retrouve dans bah, dès que j'ai fini tout ça. Hein, parce qu'il y en aura pour longtemps. Salut toi. Non, tu me fous pas dans le trou. Voilà, reste dans le sol. Tiens, rejoins ton pote. Voilà. Bon, enfin bref. Donc du coup, bah tout de suite. Ah. Alors j'ai un gros bug de son actuellement, je suis full et je ramasse en continu. Bah j'ai le son qui ramasse en continu. C'est tellement pété en fait, c'est tellement bien fait mais ça pète plus les oreilles qu'autre chose, la preuve. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai plus rien et ça ramasse. Oui! Enfin bref, c'est toujours aussi bien buggé les packs. Enfin bref, bon, toi tu me saoules. Voilà. Oui! Salut. Toujours aussi bon viseur, c'est fou. Enfin bref. Bon, du coup les gens, je suis revenu actuellement. J'ai en train de faire coller un petit peu tout ce qu'il faut là-dedans. Bon, ça cuit pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lave. Donc j'irai chercher de la lave plus tard. Mais en tout cas, la petite récolte a pu être bonne. Sachant que j'ai fait que les deux premiers étages de la tour et sachant que connaissant ce mode il y a beaucoup beaucoup plus là-dedans. Du coup ce que je vais faire, je vais ranger un petit peu tout ça. Tac, les strings je vais les laisser avec la bouffe et les os, tiens. Ça d'ailleurs je peux jeter, je ne pourrais pas m'en servir.
Feather plume. Tac, une sac, une gunpowder, je les fous là-haut. Tac et tac, la soul sand, la nether wart, hein, parce que j'ai pu en récupérer, donc du coup, bah, autant s'en servir correctement. Je vais faire dodo. Un petit peu. Voilà, c'est magnifique, comme ça j'ai setup mon truc. Les bouquins, je vais les poser ici. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai des carottes. La redstone, elle va là. La bouche, la garde. Les feathers, je les mets là. Et les bronze blocs, bah je les mets là. Avec la redstone, tiens. YOLO. Hop, du coup j'ai récupéré 3 sacs en plus. Dans les sacs, on a de la régénération. Donc c'est toujours intéressant d'en prendre. Des gold coins et de l'émeraude. Sachant que les gold coins, en fait, c'est comme de l'or. C'est juste qu'il faut soit les mettre en nuggets, soit les faire cuire, et ça vous donne des ingots. À savoir également que avec l'or, si j'arrive à trouver ce qu'il faut, et du silver, ça fait de l'électrum. D'ailleurs, le silver, je crois, j'en ai pas sous la main. Gold. Je vais chercher directement le gold, comme ça. Je peux pas faire de trucs en gold. Ok, bon, c'est bon à savoir. Le gold liquide, je ne peux pas le faire comme je veux. C'est juste l'électrum. Je pense que je peux. Ouais, effectivement. Et ça mine de la stone. T'es sérieux? Ça mine de la stone? La mine de la stone. De la merde, ah bah oui c'est de l'or en même temps, donc oui. C'est tout à fait normal. Du coup, bah les quêtes sont toujours autant bloquées. Donc c'est un petit chouïa problème. Ah, de la mana dust. C'est vrai que la mana dust, il m'en aurait fallu. Du coup, bah je vais aller voir ce que je peux faire pour retrouver de la mana dust. Et du coup, je vous retrouve encore. Bah oui, j'aime bien vous faire des ellipses, ça vous permet tout simplement d'éviter d'attendre trop longtemps au niveau de l'épisode, hein, comme celui d'avant quand on faisait 45 minutes. Donc voilà, donc bah, je vous dis à tout de suite. Je vais garder l'iron. Et heureux du coup les gens, du coup il s'est passé un petit peu de temps entre, bah, entre justement les petits passages. J'ai toujours des mobs un peu droite et gauche, mais également c'est que j'ai trouvé... What? Ok. Non mais tu vas te calmer toi déjà. En plus j'ai trouvé de la mana dust en fait de partout. J'ai vraiment trouvé de la mana dust de partout, donc du coup j'en profite pour en récupérer. En plus ça se mine avec l'iron. Et ça bug toujours autant. Qu'est-ce que je peux jeter? Tiens ça. Hop. Donc du coup bah, je vais récupérer la mana dust. Cette fameuse mana dust qui nous servira pour faire du botania. Hop, local. Voilà, je réussis. Donc, du coup, je vais rentrer tout ça. Je vais vraiment rentrer pour tout nettoyer, ainsi de suite, mon inventaire. Et du coup, on se retrouve bah, un peu plus tard, histoire que je fasse fondre tout cela. Bon, en plus, il y en a tellement ici, donc c'est magnifique. Donc, bah, re-ellipse, encore une fois. Bon, re tout le monde, re, j'espère que ça va toujours aussi bien. Du coup, bah moi j'ai fait mon petit donjon, tranquillou. J'ai fait ce donjon, y a un petit bonhomme ici que je vais défoncer. Alors oui, je me suis fait une rapière. Alors pourquoi me faire une rapière? Déjà, je suis full, hein, mais full diam, ça, hein, YOLO. J'ai terminé du coup le donjon, je l'ai complètement fini à la fin. Par contre, j'étais en train de... Comment les... tuer à coup de mattock en steel et en mattock en pioche la pickaxe. Cependant au bout d'un certain temps, je dis bien au bout d'un certain temps, j'ai pété un câble parce que j'avais ma mattock qui était pétée et ma pioche qui était également pétée. Donc du coup elles ont pas mal level quand même, hein, il faut dire ce qui est, ça a pas mal level, donc j'ai dû remonter, refaire du steel et autres. Et en même temps je me suis fait du coup une rapière qui n'a pas beaucoup de service certes, mais en tout cas, ça sert super intéressant pour tout killer à la force de la... sans armure. Donc voilà.
Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement, c'est que vu qu'ils ont des armures en diams, hein, la preuve, hein, il y en a qui ont pété et pas d'autres, c'est assez chiant de les avoir à la matoque, surtout quand tu fais 2-3 points de dégâts. Et à la matoque, bah tu peux faire beaucoup plus, donc c'est nettement, nettement plus simple. Du coup, bah j'ai tout fait fondre. J'ai récolté quand même pas mal de bronze, de gold, d'iron. J'ai un petit peu fait tout fondre ça. Par la même occasion, du coup, je suis parti loin, loin, loin vers un. Il y a un autre donjon à 1500 blocs par là-bas qu'on ira bien sûr éventuellement le faire, mais bon, on y reviendra plus tard. Il y a eu aussi des comètes, pas les comètes, les trucs d'Applied. Vraiment. Et ça, en fait, c'est une Dark Forest de Twilight Forest qui s'est implémentée ici, ce qui est assez rare d'ailleurs. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Il y a une Dark Forest en fait dedans. C'est mignon. Il y a des gros loups. Il y a tout ce qu'il faut. Mais du coup, c'est intéressant. Donc, du coup, voilà. Par la même occasion, du coup, bah, je me suis fait un golden bag parce que ramasser tous les items, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Bah, du coup, je me suis fait directement le golden bag. C'est nettement plus sympa. J'en étais où dans les quêtes? Du coup, ici, bah, j'ai récupéré du coup la mana dust. La mana, il nous demande de faire déjà la première mana pool et le piédestal. Cependant, j'ai pas tout de suite les capacités à faire en sorte que bah, tout simplement j'ai pas de fleurs, enfin pas de fleurs, oui non, j'en ai récupéré quelques-unes quand j'étais en cours. Je les ai foutues où d'ailleurs? Je les ai foutues là. Vous voyez, je vais pas aller loin. Je me suis récupéré aussi du Greatwood, hein, ce qui est important. Pour Tomcraft, c'est nettement important. Bon, vous voyez, avec 3 fleurs, je vais pas aller loin. Très clairement, je vais pas aller loin. Mais j'ai récupéré pas mal de choses et ça, c'est surtout intéressant. J'ai pu récupérer l'Enchanted Table parce que le style, en fait, ça mine l'obsidienne. Donc, du coup, je peux tout miner avec les diamants et autres. Vous pouvez voir actuellement ici. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Du coup, on a du diamant, on a un peu de fer, on a le tome émetteur, on a tout. J'ai récupéré aussi un autre bac qui redonne du gold. Donc de la merde, c'est magnifique. Du coup, au niveau des quêtes, on va continuer un petit peu. Du coup, je me lance du coup dans Tomcraft. Pourquoi? Bah, c'est tout simplement, j'ai pu récupérer du Greatwood. Greatwood se récupère avec justement le mining obsidienne. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Par la même occasion, du coup, en tant que PNJ qui est en mode de se balade, je me suis dit que je vais peut-être en fait faire en sorte que ici ça soit condamné et que les PNJ puissent aller dans l'autre pièce. Ça pourrait être très sympa, surtout qu'ils aillent dans l'autre pièce, les petits. Donc du coup, lui il monte lui. Faut que je détruise lui. Faut que je remonte lui. Hop, hop. Donc lui qui pète lui, qui pète lui. Hop. Tac et tac. Voilà. Bon, je fais un petit truc comme ça, c'est tout simplement pour faire en sorte qu'il puisse accéder à l'autre maison. Alors, j'ai remarqué en tout cas que ça laguait pas mal, sur certains points en fait ça lag. C'est dû aux grosses forêts qui se trouvent là, donc à un moment je ferai peut-être un gros world edit et j'enlèverai tous ces arbres là. Parce que ça fait des calculs de lumière assez atroces et c'est plutôt très embêtant, surtout au point de vue de la vidéo. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. What? Ah bah oui, non, non, non. Tu restes là toi. Tu restes là. Désolé de t'avoir donné un coup de poing dans la tronche. Mais c'est tout à fait normal. C'est pour que tu puisses revenir. Donc maintenant, ceci t'en fait. Voyez, c'est assez chiant quand même. Voilà, bonjour. Tranquillement. Donc, vous pouvez partir par là-bas, messieurs, dames. Allez-y, c'est gratos. Non, pas courir comme des cons non plus. C'est pas mal aussi courir. Tiens, voilà, si tu veux courir comme vraiment comme un con en mode je me planque dans le coin, tu peux y aller.
Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les déplacer, je vais les amener là-haut parce que je sens que je vais en chier longtemps. Du coup, voilà. Donc, à tout de suite. Voilà, roule les gens. Du coup, bah, je me suis un petit peu amélioré au niveau de la construction, ça se voit pas du tout, hein. J'ai juste défoncé les murs, j'ai vraiment tout fait à la mode arrache, hein. Mais je trouve ça que ça rend plutôt bien. Bon, c'est juste une abri, c'est juste un abri temporaire. Donc on s'en fout un petit peu, mais c'est cool quand même. Donc du coup, bah ça je vire pour hop, remettre ça correctement. Je vire la glace. Hop, c'est cool, mais ça c'est chiant. Donc voilà, j'ai un petit peu tout fait actuellement. Stack. Et puis ça, bah hop. Et bah non, ça a pas trop bien marché. Tant pis. Alors du coup. Cobble ici, du bois. J'irai le foutre ici, tiens. D'ailleurs, le villageois, quand je les ai déplacés, m'ont donné une émeraude. Alors, pour déplacer le villageois, j'ai tout simplement pris une safarinette. Hein. Cependant, dans le chat, vous pouvez voir en fait qu'il y a du gold block. En fait, les ID sont complètement pareils. C'est juste moi qui ai mis en fait un espace de trop. Donc, ça a compté en fait un stack de blocs de gold. Et ici, une safarinette tout simplement. Donc, je préviens tout de suite quand je gagne quelque chose ou pas. Pour que tout le monde soit correctement au courant. Voilà, je préfère largement vous dire ce que j'ai fait que vous le sachiez après et qu'on dise tout de suite ah tu dégiffes patati patata. Donc je préviens tout de suite directement le consommateur, ce qui veut dire vous. Voilà. Tiens, et puis ici je vais changer, je vais mettre ceci. Voilà, comme ça il y a une belle petite ouverture. Donc ceci étant fait, on peut faire dodo directement. On va continuer un petit peu ceci. Donc tac. Ça j'ai pris. Je vais bouffer un petit coup de vermisson steak. C'est très bon d'ailleurs, une très bonne saturation en plus. Donc au niveau des quêtes, du coup, maintenant ceci étant fait, il nous demande ensuite de faire des arcades crafting. Eh oui, les arcades crafting, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour faire ensuite des crafts tout simplement de Tomcraft justement. Alors comment ça se fait, comment ça se fonctionne? C'est tout simple, vous prenez bah, tout simplement ceci, vous prenez les dalles, vous mettez des dalles et vous mettez deux pieds et ça vous fait une table. Waouh, c'est ah, c'est fort. Et ensuite il vous demande de faire une arcade worktable. Donc vous placez tout simplement votre table au sol et vous faites un right click avec une baguette. Pour créer en fait un justement ceci. Ch'ting! Et voilà. Et ensuite vous récupérez ça pour que bah, la quête soit accomplie. Et du coup vous pouvez te les, mais vous en avez deux. Bon, pour l'instant on n'en a pas forcément besoin dans l'immédiat de deux. Donc je vais garder ça. Et du coup hop, je vais tout simplement mettre la baguette là-dedans. Du coup pour continuer, l'acknowledge en fait nous permet de gagner des aspects primaires par petite portion de 1 ou de 2 pour en avoir un peu plus. Maintenant, ceci, la quête est en fait. Ça va débloquer quand même pas mal d'équipements, surtout dans TomCraft au début. Ce que je ferai pour vraiment rendre le truc bien stable, j'irai chercher dans les donjons des têtes de Wither, parce que c'est ce qui va rendre l'altar ultra stable. Plus l'altar est stable, plus on peut faire des crafts très compliqués et mieux être garanti qu'on ne crée pas d'instabilité dans le monde. Moins on garantit stable le comment l'altar, plus il va pourrir le monde, plus il y aura du warp et plus ça va pourrir vos crafts. Voilà, il faut dire ce qui est. Ça va vraiment massacrer tout ça. Donc, ce que je continue, c'est hop, une autre table. Il nous demande ensuite de faire un scribing tool. Ce scribing tool nous permet tout simplement de faire des recherches, des petites recherches pour Tomcraft, éventuellement par la suite, qui nous servira plus tard. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais la mettre là, tranquillement. Là, on peut rien faire, forcément, parce qu'il faut qu'on crée en fait notre scribing tool. Scribing tool. Oh, Scribing Tool, la version simple.
Donc, c'est un inksack, une bottle de glace et une feather. Sachant que j'ai des bottles de glace, autant en prendre une. J'ai des feathers, normalement, ici. Et normalement, j'ai un inksack. Donc, vous voyez, j'ai absolument tout dans l'immédiat. Et voilà, j'ai ma screaming tool. Ensuite, bah du coup, bah, ça nous donne nos papiers. Ici, ça nous donne gratuitement ce qu'il faut. On le gobe et on a notre papier. Bon, c'est cool, c'est du papier. Cependant, dans la version là, on n'en a pas besoin. Vous faites un right click et ça vous fait une table. Dans cette table là, vous avez en fait vos aspects primaires. Ces aspects là sont illimités à condition que derrière vous mettez des tables, comment, des bookshelves. Si j'en ai. Je les ai tous défoncés, mais j'en ai de toute façon. Ouais, j'en ai au moins une. Et vous pouvez accélérer en fait le processus de rechargement de ces aspects-là. Et d'autres qui viendront. Ah, vous voyez, ça progresse déjà. Ça veut dire qu'elle est infinie celle-ci. Tant que vous ne l'épuisez pas à zéro, elle restera infinie. Et les cristaux qui se trouvent derrière, qui se trouveront derrière plutôt, qui est les cristals. Non, les cristaux. Comment ça s'appelle déjà? Des shards. Les shards là. Voilà. Les mixed, c'est des crystal clusters, voilà. Vous en mettez beaucoup comme ceci, ça vous permettra en fait de recharger à une vitesse grand V tous vos aspects. Donc ça, c'est très important de faire ce qu'il faut. Je vais me faire un petit coffre. Hop. Ce petit coffre, en fait, il vous permettra juste de stocker votre Greatwood dans le coin. Et ceci avec. Alors, du coup, maintenant, ceci étant fait, il vous demande ensuite de créer un coltron. Bon, un coltron, c'est pas très compliqué. En plus, vous avez tout le fer nécessaire. Vous pouvez utiliser votre table de Tomcraft pour vous créer ceci. Voilà, je me suis fait un coltron. Ensuite, il nous demande de faire un crucible. Le crucible, vous faites un right-click sur le chaudron avec une ronde. Ce qui est tout à fait banal. Vous le posez, vous faites un right-click et vous avez un crucible. Oh, quelle joie. Hop, ça vous donne, ça vous redonne 4 iron et ça vous donne des knowledge. C'est important, c'est sympa. Hop, vous les gobez. Votre crucible, à noter qu'il y a une façon de l'utiliser proprement. C'est pour ça que Monsieur Épée est ici pour vous guider. Alors, est-ce que j'ai... Forcément, j'ai pas pris ce qu'il fallait. J'ai oublié la Netherrack qui se trouve dans le donjon, naturellement. C'est un peu chiant, ça. Parce que soit c'est ça, soit c'est de la lave. Mais je préférais largement utiliser de la Netherrack avec de... Comment? Avec une flamme dessus. Ça évite les petits emmerdes. Du genre que votre baraque part en vrille de flamme. Donc vous voyez un petit peu. Ça évite les petits problèmes éventuellement par la suite. Bon bah. Je vais faire ce qu'il faut. La déconstruction table, on la fera plus tard. Putain, ça vous donne en plus 100 crafting table. Il nous demande de faire une Greatwood Gold, qui reviendra plus tard, naturellement. Et nous demande de crafter les premières arcades Stone Block. Les premières arcades Stone Block, en fait, c'est tout simplement de la stone tout autour, et vous mettez votre shard au milieu, et ça vous fera des arcades Stone Block. Arcane Stone Block. Voilà. Vous pouvez voir ici. Ah, ça le crafte comme ça. Ah, c'est sympa. Ou comme ça. Voilà, c'est tout simple en fait. Là, ça vous en fait 3. Là, ça vous en fait 9. Tac et shard. 3 shards. 3 petites shards. Ah, c'est plutôt gagnant en fait en faisant comme ça. Ah, vous êtes gagnant sur une shard en tout cas. Ça, c'est important, c'est sympa de le savoir. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va créer notre première shard. Notre première arcade. Du coup, nous, on va se laisser là quand même. Pour pas que ça dure trop longtemps dans les épisodes. Je vous donne du coup rendez-vous pour le prochain. N'hésite pas à liker pour savoir si vous avez aimé.
Surtout, n'hésitez pas à la partager également. Et du coup, moi, je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour nous retrouver dans un prochain épisode. Ne vous inquiétez pas, je tourne ça un petit peu à l'avance par rapport aux autres. C'est tout à fait normal. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bisous. Oh, la Twilight. Oh, Twilight Summoner. Oh. Tiens, je vais juste regarder la Twilight. Twilight Summoner. Use summon lightning to open Twilight Portal. Ok, c'est juste pour le summon Rapidos YOLO 6 RPZ. Ok. Ah bah c'est bien, on pourra même aller là-bas en mode YOLO. Créer une 2x2 en source d'eau et allons explorer. Bon, on ira explorer du coup la Twilight prochainement. En plus, on sera tout seul donc on pourra générer comme des porcs. Ça, c'est magnifique. Magical, ça nous demande de faire déjà la Weak Infusion Stone. Bon, du coup, on va se faire ça prochainement. On va faire un petit peu de Twilight et en même temps de Magical Crop. Ça va nous permettre de créer nos premières seeds avancées. Donc, du coup, baisous tout le monde. Et puis à la prochaine. Moi, je vais me faire ça en off. C'est tout simple, je vous avais montré le craft. Donc, bisous tout le monde et à la prochaine. Oh, quel beau ciel. Et la nuit va tomber.